Bonjour la Sofresh Team, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en ce début de printemps, même si bon, les éclaircies sont encore timides, je commence à voir chez vous, chers patients, patientes, des symptômes d'allergie. Nez qui coule, yeux qui piquent, des petits rhumes, voire pour certains de grosses bronchites dues à votre réaction immunitaire, à tout ce qui est pollen, graminée, voilà ce qui commence à circuler dans l'air. Sachez que ceci peut vous empêcher à perdre du poids ce mois-ci. Donc, le message du jour d'abord c'est de ne pas vous en vouloir et surtout de ne pas culpabiliser, d'avoir plutôt stabilisé votre poids durant cette période où vous étiez plutôt malade ou en tout cas hypersensible. Votre corps se bat et a besoin de renforcer son système immunitaire. Et pour stimuler son immunité, et bien votre organisme va dépenser de l'énergie pour cela. Si votre organisme dépense de l'énergie pour se défendre, eh bien il a donc moins d'énergie à dépenser pour mettre en place tous les mécanismes de perte de poids, parce que prendre une molécule de graisse, la déstocker et la transformer en calories, eh bien figurez-vous que ça demande de l'énergie. Et nous n'avons pas une source d'énergie infinie, non, malheureusement d'ailleurs. Donc voilà, le message du jour, c'est ça, pas de culpabilité, soyez bienveillant avec vous-même. Si vous êtes plutôt quelqu'un à avoir un terrain allergique en cette période, et bien sûr, il y a des solutions, évidemment, et une des meilleures solutions, disons la plus rapide et la plus efficace, et bien c'est la micronutrition. On va utiliser des micronutriments, notamment de la vitamine C, du zinc, du sélénium, et aussi de la phytothérapie, notamment de l'échinacée. Et puis en micronutrition, surtout, et bien renforcer la flore intestinale qui est aussi notre première barrière immunitaire. Donc pour un conseil en micronutrition, si vous vous sentez concerné, eh bien dites-le moi en consultation et je vous réalise un protocole personnalisé, ce qui vous permettra de renforcer vos défenses immunitaires sans que votre organisme ait besoin de dépenser de l'énergie pour cela. Il pourra donc utiliser cette énergie pour votre perte de poids. Et voilà, chers patients, patientes ou followers, auditeurs en tout cas, je vous dis à très vite et surtout, régalez-vous bien!